Mais on ouvre ce journal par cette intervention aux abords du palais de justice de la rue Servian. La police a dû boucler le quartier durant plusieurs heures en milieu d'après-midi, et ce en raison d'un risque chimique. Un homme, apparemment un artiste peintre, a jeté un tableau dans une salle d'audience, s'écriant qu'il contenait de l'uranium. Le tribunal ainsi que les commerces ont donc été évacués. Aucun blessé n'est à déplorer. Le produit, quant à lui, est en cours d'analyse. On a isolé 50 personnes qui étaient a priori pas en contact avec le produit. On a rapidement contrôlé négatif. Puis on avait sélectionné 11 personnes qui ont été eux aussi contrôlées, mais qui étaient plus susceptibles d'avoir été en contact avec les projections du dit tableau. Et à l'issue de ces contrôles, tout était négatif.